Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Aujourd'hui, on est arrivé au chantier. Alors, ça fait un petit moment que je suis arrivé parce que j'avais des trucs à gérer avant de prendre la caméra. Mais impeccable, l'anti-fouling a bien tiré. Vraiment nickel, impeccable. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est de toute beauté. Il a bien séché, il a bien durci. Alors, pour ceux qui vont me demander pour l'anti-fouling, parce que je sais qu'on va me demander, je vais le dire en vidéo comme ça sera fait. On devait partir à la base sur un anti-fouling de chez AD Accastillage. La marque de AD Accastillage qui est sur le catalogue, vous savez, c'est le même pot en matrice dure et en matrice érodable. Problème, bonjour Loïc, ouais. Bonjour. T'as un problème? Ah oui. Quel problème? Tu viendras quand t'as pris ton roche. J'arrive tout de suite, il y a un problème. J'arrive tout de suite, il y a un problème. J'arrive tout de suite, il y a un problème. J'arrive tout de suite. Donc on devait prendre les pots de chez AD Accastillage en matrice dure. Problème, c'est qu'il avait que deux pots. Et ici, pour l'Espagne, AD Accastillage, c'est une marque française. Donc il y a à peu près 15 jours de livraison, de délai de livraison. Donc on était hors délai au niveau du truc. Alors on s'est rabattu sur la marque Empel. Et l'antifouling qu'on a pris, c'est le Bravo 2. Franchement, on n'a pas encore mis à l'eau, mais très bon antifouling. Il s'étale bien, il durcit bien. Il n'y a pas de souci. Franchement, une bonne marque Empel. Avec un H. Donc voilà, le Bravo 2. Bah attends, j'ai le pot. Je peux te montrer le pot tout de suite. Hop. Bravo 2. Voilà. 106 balles le pot. Pour un anti-fouling, il est correct. Sachant que le AD était à 109 euros. Ouais, 3 euros de différence, mais bon, c'est kiff. Et lui, il est beaucoup vendu en Espagne. Tout le monde met ça, tous les voisins qui ont fait anti-fouling, ils avaient tous du Bravo 2. Donc on verra à la longue, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, si jamais après on refait un anti-fouling, quoi, moyen de qu'il est bien et qu'on a moyen de retrouver ça, on remettra ça. Bon allez, je monte au bateau parce que Loïc a un problème. Il est en train de mettre remettre les câbles pour les câbles, n'importe quoi, les tuyaux, pour les passe-coques. Mais on va montrer ça tout de suite, on y va. Allez, on monte à l'échelle. Parce que là, il faut monter. Alors, tu vois, au premier abord, quand il m'a crié par le pont, j'ai un problème. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai un problème, dis-moi que tu m'aimes. J'ai un souci. C'était une catastrophe. Moi, je pensais qu'il était passé à travers la coque. Tu vois, truc grave, tu vois. Oh là là. Il sort avec un air grave, il fait, j'ai un problème. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Bon, c'est quoi le problème, Loïc? C'est quoi le problème, Loïc? Le problème, il fallait un réducteur pour l'évacuation des toilettes. Voilà. Eh ben d'accord, ah ben, bravo. Ben oui, mais quand on ne sait pas et qu'on n'a pas vu le réducteur, eh ben on s'adresse toujours au chef. Oh là 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 là, n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, je vous explique le problème. Ça c'est les évacs toilettes, c'était les évacuations de toilettes. Alors on n'a pas remis les mêmes parce que je ne les ai pas trouvés, vous vous rappelez les tétons. Donc j'avais pris les raccords en plastique. Et il y a deux tailles, donc j'avais pris au plus gros, j'ai dit bon, pour rentrer dans le tuyau, ça doit être à peu près ça, voilà. Donc Loïc vient de l'essayer, et il m'appelle, il me dit, ah, on a un problème, c'est trop gros. Ah, c'est trop gros. Bah oui. Voilà, donc moi j'avais prévu le coup. Par sécurité, vaut mieux t'appeler. Bah oui, j'avais prévu le coup, donc j'avais pris des gros comme ça, et j'avais prévu le coup, j'avais dit au cas où, je prends la taille en dessous, tu vois, comme ça. La taille en dessous, au cas où ça rentre pas dans le tuyau, avec un réducteur. Voilà, comme ça, on met le réducteur. On est s'adresser au bon Dieu Cassessin. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est lui. Vous êtes tous mignons, mais hein. Voilà, réducteur. Réducteur plus le petit embout. Alors, tu vois, il y a un peu de différence quand même, tu vois, quand tu me regardes les deux. Voilà, parce que j'étais pas persuadé que lui, finalité, allait rentrer dans le tuyau des évacs toilettes et des éviers. Mais comment ça se fait que celui des éviers est passé? C'est pas le même. Ah ouais, bah tu vois. Donc bon, bref. J'avais pris le modèle en dessous et avec réducteur. Comme ça, pas de problème. Bon. Voilà, quand tu veux, tu fais les belles choses. Oh là 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 là. Bon, par contre, là, il va falloir que tu me coupes ça ici. Là. Parce que là, je vais... Ah non, ça va. Ouais, ça va. Impeccable. Ah, tu vois quand tu veux. Oh non, mais je rigolais. Là, je riais parce que j'avais fait pareil. Bon, bah ça va. Bon, bah voilà, on est en train de refixer, rebrancher les tuyaux d'évacuation et puis de prise d'eau. Et les passe-coques, alors là, les passe-coques sont bien collés. Hein. Franchement, ils n'ont pas bougé d'un poil. Même en vissant à la main, non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Pas prêt de bouger. Donc,
Impeccable. On te fait confiance. Oui, on te fait confiance, Loïc. Oh là 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 là. Il est en forme aujourd'hui. Hop, hop, hop. Il est en forme aujourd'hui. Il est en forme. Bon. Il va falloir faire un bon ménage dans le bateau aussi, parce que là, ils vont partout. Et vu qu'on est obligé de remettre les affaires après, avant de repartir, il faut ranger. Alors, on va être obligé de laisser tout ouvert. C'est ce que je vous disais. Les coffres, là où il y a les passe-coques, etc. On va tout laisser ouvert pour pouvoir faire la vérification à la mise à l'eau. Voilà, parce que si jamais on te met à l'eau, il faut que tu enlèves un coussin là, une porte là, nanani, nanani, nanana. Non, faut que tu le vois tout de suite. Tout de suite, il faut que ça se voit tout de suite, il y a une goutte d'eau. Bon, voilà. Regarde le beau tatouage qu'il a sur l'épaule. Ouais. Tu sais c'est qui, tu le reconnais? C'est Chewbacca. C'est Schumacher. C'est Chewbacca, il s'est fait tatouer Chewbacca. Ouais. Non, c'est Beto, c'est son chien qui s'est fait tatouer sur l'épaule. Voilà, c'est son chien. Son chien, c'est tout pour moi, pour lui. Ah, pour moi, Beto, c'est tout. Hein. Hein? Ah oui. Ouais. Premier qui touche à mon chien est mort. Oh là 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 là. Tu coupes la gorge. Je tranche, on fait le saucisson. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, dernier truc, alors après on va tirer la bande orange, ça va être fun encore, il va falloir se casser la tête à calculer pour être à la même hauteur, tout ça. Et puis après on vous tient au courant de la suite des événements, faut que je fasse mes miniatures ce soir, je ne l'ai pas faite encore. Hein ? Tu viens de dire qu'il n'est pas parti ? Non, qui ? Les gens vont dire qu'il devait partir, il n'est pas parti. Bah attends, c'est le matin là, pour l'instant, on ne sait pas. J'ai un créneau à 17h30 pour mettre le bateau à l'eau, si toutefois tout est bon. S'il y a un problème, on sortira que demain, c'est pas grave. Bon, sur ce... A tout à l'heure. On est en train de faire la bande. Alors ça, mon pote, c'est le travail le plus chiant du monde, en fait. Ouais. Parce que tu vois, si tu veux être trop perfectionniste... Là, on a une vague, Loïc, là. Il y a eu une vague. Les amis. C'est Milly. Là, ici, ouais. Ouais. Y a pas 4 et demi, là, mon cousin? Non, 4. Ah. Tu voulais enlever les heures supplémentaires, hein? Ouais, je ferai de là-bas. Ça, c'est chiant. Les bandes, c'est chiant, c'est chiant. Allez. Allez, hop. Hop, 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 hop. Une chanson. Le camion. Le chantier. Le gravier. Le papa. Le maman. Le café. Biba peloula, she's my baby. T'as vu, on travaille en musique. Bon allez, c'est parti. On va finir la bande, là ça va être un peu casse-tête parce qu'il va falloir vraiment tirer. Au moins que ça soit, ça sera pas parfait de chaque côté, de toute façon c'est quasi impossible de refaire la même bande de chaque côté, c'est quasiment impossible. Quand t'as deux trucs à faire, c'est la loi de la physique. Le premier truc, tu vas le faire comme ça, et la deuxième chose, tu vas la faire autrement. C'est toujours même, tu sais quoi, je regardais un truc un jour, et c'est la vérité, même nous les hommes, quand on se coupe les cheveux, quand on se coupe les cheveux, et ben moi je fais jamais la même patte d'un côté et d'un autre, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Ah bah toi, t'es exceptionnel. C'est Loïc. Tu veux tenir ça, s'il te plaît? Je sais pas, hein. Papa, maman, le chantier café. 8h30. 8h30. Les ouvriers sont pas là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Le gravier. La grave, le camion qui fuit, c'est la fuite, il y a cette vanne, laquelle trouver, c'est la vie. On pourrait faire ça pendant 3 heures, t'as compris. Essayez chez vous, c'est magique. Si t'as un peu le cafard et que t'es pas bien. Vous appelez Loïc. Non, ouais, tu vas être surchargé de téléphone. Si jamais vous êtes pas bien chez vous et que ça va pas, dans la journée, pensez à ce que je vous dis. Vous arrêtez. Tu vois, il y a une grosse merde, tu t'arrêtes, et là tu fais « J'ai un problème, ma, c'est la merde, tiens. » Et bah tout de suite ça va mieux. Ah oui, oui, bah là après impeccable. Hein. C'est psychologique, c'est ça marche. Bon allez, on va finir avec cette bande. C'est la vie. C'est midi. Bon, alors, tiens, tu nous le fais à la Gainsbourg. C'est une bande. C'est une bande.
Écoutez. Affirmatif. Affirmatif. Le camion. Le baba. Le maman. Ça va pas. Une semaine de chanter, mais t'imagines, toi, 15 jours, 3 semaines, ce que c'est à la finalité. On devient franc-cinglé. C'est bon, t'as fini? La Renault 5, elle démarre pas. Ça va pas. Le cabine. Louis qui va écrire un livre. Ouais. C'est beau ou pas? Ouais, je vais écrire un livre. Ouais, je vais écrire un livre. Avec le café. Bon allez, faut que je donne un coup de main, hein, pour me retirer, parce qu'il faut avoir la visu d'ensemble en fait pour pouvoir à peu près faire la même bande. Alors même s'il y a un seul côté qui se voit à la fois, on est d'accord, sur un bateau, le souci de réglage, si tu veux, c'est quand le bateau il arrive en face de toi. Parce que si tu as une bande qui est plus basse que l'autre, ça se voit, hein, forcément ça fait dégueulasse. Et ça tu le vois une fois que c'est fini, parce qu'avec le scotch c'est vraiment pas facile à voir, mais on va se débrouiller. Allez, je vais donner un coup de main pour tirer la dernière bande de l'autre côté, parce que j'ai vu qu'il fallait reprendre un petit peu. Et après, on vous dit à tout à l'heure. Un café, Loïc, Loïc, un café sans sucre, avec chocolat, la crème. Allez, bande finie, il est l'heure de dépiocher. Il est l'heure d'enlever le scotch. Bon. Hardcore Montana pour ceux qui connaissent pas. Hein. Ça c'est de la peinture. T'en mets sur les ongles, il te faut 3 mois pour qu'elle parte. T'as compris? Voilà. Orange pastel chez Montana, c'est ce que ça intéresse. Allez, c'est parti, on va enlever le scotch avant que ça sèche trop vite. Normalement, ça bave, ça, la bombe, enfin, le spray, ça bave toujours un peu, parce que le scotch de cache, il est jamais bien parfaitement plaqué. Alors, bon. Hein? Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, on dépioche. C'est parti. D'accord, c'est stylé. Oh, c'est bon, regarde, je fais les dents en même temps, moi, regarde, professionnel. Ah, 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 c'est la lit, ah, 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 d'oralé. Ah, 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 ah. Voilà, je fais le malin, mais il va me falloir mes deux mains quand même. Bon, t'as compris? Vic! Hein? Oui! C'est lundi avec Doralie. Ouais, c'est vrai, ça marche.
Merci Loïc. C'est la ligne. Oh là 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 là, j'ai vu un virage. J'ai vu un virage. C'est la ligne. Hop, la signature. Pac. Ah ah. Tu l'as pas vu venir celle-là. Bon allez, scotch d'en bas, après je vous montre. Allez, c'est parti, on repart à l'envers. C'est la ligne. Waouh Loïc, comme tu fais ça bien. Oh, on a un petit virage là. Ouais. Mais là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On peut pas être parfait. Hein. C'est la ligne. Ah. Et voilà. Ouais, il y a deux virages. J'ai vu deux petits virages. Vu, ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, deux virages, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas bien. C'est très difficile de plaquer le coche. Franchement, c'est très très compliqué. Mais ça va. Franchement, je suis content du résultat. Puis de toute façon, quand il est à l'agite comme ça, tu le vois pas. Bon, et ben voilà, copain. Bande orange terminée. Maintenant, il faut que j'aille voir au bureau. Putain, le rattrapage, il a été parfait, Loïc. Hein. Ouais. Ouais. Regarde, impeccable. Waouh, ça claque. Il faut que j'aille voir au bureau pour voir avec eux. Parce que là, du coup, la mise à l'eau, elle est pas sûre aujourd'hui. On va voir. Là, il est quelle heure? 14h, non? Ils vont partir manger? 13h21. Je vais vite aller au bureau et puis je vais aller voir avec eux. Parce que si jamais c'est le cas, il faut que Salma ait le temps de préparer les affaires pour venir aussi remplir les affaires au bateau. Ah bah, c'est la Minette. Allez, c'est parti. Allô Minette. Bon, ça sent la fin de chantier. Donc on bricole ce qui a fini de bricoler. J'ai réparé elle est neuve en fait. Mais la douche solaire, la dernière fois, on s'est aperçu qu'elle se dévissait, elle tenait pas. C'est pas la même que l'autre qu'on a. Elle, c'est une Froyac. Ça va, comme ça va? Tu vas bien? Ça va? Mais elle, je suis là. C'est pas la même douche qu'on a, mais elle en fait elle arrêtait pas de se dévisser. Du coup on a trouvé l'astuce imparable, Sika, parce que moi comme ça bougera pas. C'est l'autre fois quand on s'est douché, on l'a monté en l'air avec la drisse et le bouchon là, le bleu, il s'est enlevé. Vu qu'il est souple en fait, la gorge elle est souple sur lequel ça se visse, ça s'est plié. Le bouchon a sauté et toute l'eau qu'il y avait dans la douche, l'eau chaude, quasiment toute l'eau elle s'est barrée. Donc c'est pour gaspiller l'eau à chaque fois, tu vois, c'est chiant. Donc là on a dit allez, on sicote, comme ça on sera tranquille. Ouais. Faut regarder le tuyau, je suis pas sûr qu'il soit assez long, Loïc. Là on va monter le tuyau en haut, je vais passer un coup de jet sur le. On va passer un coup de jet sur le bateau. Parce que il est dans un état le pauvre. Il est tout noir. Qu'est-ce que tu fais avec ton seau? Oh là 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 là. Bravo, bravo Loïc, la pollution, bravo. Bravo. Alors là. Hein, sache que y a certains youtubeurs seraient pas fiers de toi. Ouais. Hein? C'est vrai, je pollue la planète. Hein? Alors là. Tu me passes le tuyau? Ouais, allez, go, je vais te passer le tuyau. Attention, hein. Faut que j'aille l'ouvrir. Je sais pas s'il sera assez long. Hein. Je sais pas, je vais te dire ça. Attends. Oh bah ben voilà. Oh là là, Loïc. Oh, oh là 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 là. Loïc? Ah, oh, mais tu le fais exprès, oh, ça fait trois fois que je te le lance. Allez. Non, mais arrête, sérieux. Et tu me... Voilà. Un. Tiens-le bien. Deux. Non, mais sérieux. Non, mais... Là, mais tu vas me niquer ma peinture ou quoi? C'est quoi ton but dans la vie? Je vais me lancer en bas. Je sais pas, attrape-le avec les dents. Allez, vas-y. Bah voilà, quand tu veux. Ah, dis donc. Ouh. Tu fais. Eh Loïc, attends. Parce que du coup, le tuyau il est dégueulasse. S'il frotte sur la coque, il va me pourrir la. Non, mais attends, j'ai faut le passer de l'autre côté. C'est toute une organisation, je pense, tu vois. C'est... En plus, on a la vanne la plus près du bateau, comme par hasard, qui marche pas encore. Ouais. Tu y arriveras? Ah, ouais. Ça va être short, hein? Ouais. C'est bon. Je vais allumer. Mais pas le feu! Elle était obligée de faire un raccord ici, c'est la merde. Et encore, je crois que. Ouais, il est pas ouvert là-bas, faut aller l'ouvrir là-bas.
On va essayer de faire comme on peut parce que là c'est galère. On attend le responsable du chantier qui était pas là ce matin et qui devrait arriver normalement à 16h, 6h moins 10, 4h moins 10. On va voir s'il arrive pour voir avec lui pour la sortie d'eau. Mon avis, ce sera pas aujourd'hui. Le bateau est dans un état, je te raconte pas. Oh, ça va, il aurait pu être plus sale. Hein. Oh, la poussière et tout, laisse tomber. Non, il aurait pu être plus sale, franchement. Attends, mon loulou, faut fermer la moulique. Mais non, mais là, là regarde, ça sort bien là. Oui, non, mais faut que je fasse. Oh la classe. Bah, bah. Tiens, vas-y, tiens, je vais fermer ça. Allez, go. Bon, allez, toi, il faut, parce que là, tu vas commencer par devant là-bas. Avec la petite brosse. Tiens, regarde. Regarde ça, combien il est noir le bazar. Il est dégueulasse. Regarde. La poussière de ponce. Hein. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir en pesonne contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en irons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, au dépourvu tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout. J'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous. C'est de la plaisance et du pied. Dès que le vent soufflera, je repars. Bah je te dis que ça lui fait du bien hein, parce que wow. Il coule noir hein. Il coule noir. Là on va pas faire rien. Oh, oh là 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 là. C'est ça. Ouais, ça lui fait du bien. Bon allez, on va continuer ça. Continuer à laver un petit peu le bateau là, qu'il soit propre. On va le laisser sécher, on va passer un coup sur la coque à l'extérieur aussi. Alors le fait que la coque elle soit neuve en fait, je me dis putain, l'intérieur du bateau qu'est-ce que c'est vieux. Bah oui, c'est normal. Allez, t'as la capote. Elle est belle ma capote, j'aime bien. Tu es à l'eau là. Hein? Sur tes machins là, sur ça là. Ah, sur les pare-battes, ouais. Oh là là. Ah, ils sont sales là. Hein. Ah là 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 là. Ouais, t'as raison, tu m'as donné une bonne idée, je vais tout te nettoyer. Allez, donne la brosse. Je vais le faire. Ouais. Tiens. Juste les passer à la pétoire et après les... Le bateau est propre, il a été lavé sur le pont. Oui. D'Avignon. On y chante. Du. Hein? Bon? Hein? Bien? Bon? Allez, café? Bon. Laver les deux côtés et c'est plutôt propre. Voilà, enfin, c'est propre, c'est tout neuf. C'est lavé avec Myrlène si tu veux. Bon. Le pont a été lavé, tout ça. Il nous reste à faire la dernière couche d'anti-fouling qu'on n'a pas fait volontairement aujourd'hui parce que le bateau repart pas à l'eau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour Loïc et Claude d'être avec nous ici sur Fuengirola. On a passé du bon moment, très bon moment, on a beaucoup rigolé, vraiment, vraiment. Loïc a été juste phénoménal, il a battu un travail fou, monstre. Claude, pareil, la logistique, etc., tout ce qui s'est passé derrière. On a passé vraiment un très, très bon moment, on a passé 2 mois ensemble juste fou. On n'a pas vu le temps passer, en réalité. Déjà parce qu'on avait beaucoup de travail, et puis aussi parce que... Bah, il y avait tellement cet esprit de camaraderie, de rigolade, de machin,
que c'est, ça s'est passé à une vitesse phénoménale. Ce soir, ils partent demain matin, donc ce soir on va boire un coup pour fêter la fin des travaux, même si les travaux sont pas réellement finis, mais on va quand même boire un coup ensemble avant leur départ, profiter d'eux. On se reverra un peu plus tard avec Claude et Loïc, dans pas très longtemps en réalité, mais là on va se séparer, donc ça va faire bizarre, mais là on va aller boire un coup, tout ça on vous emmène avec nous, hein. Bien sûr vous allez fêter la fin avec nous. Et puis après, on se revoit plus tard pour la suite de la journée. Voilà, on fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en dire des conneries dans les vidéos? Hein? T'aimes la ferme? Comment? Tu aimes les fermes? Les fermes? Oui. Oui. Eh ben, il y en a qui feraient mieux de la fermer. Ah oui! Ah! Ah! Tu aimes la ferme? Non. Ah bah tu ferais mieux de la fermer. Ah là là. Tiens, regarde ça, ça ferait une bonne planche pour la planche là, ça. Ah, elle bouge pas, elle. Ouais. Ah. Eh oui, on connaît tout ça. Bon fin allez, de chantier. Fin de chantier, ouais. Fin de chantier. On va boire un coup. C'est et terminé. Puis, non, c'est pas terminé. Vous me verrez plus. Oh là là, porte pas malheur. Faut jamais dire ça quand on se quitte. Parce qu'on papa, se rejoint. Maman. Oui, papa. On se rejoint. 6, 4, 9, 1, 1, 1. Faut savoir qu'on se rejoint cet été. Oui. Enfin, cet été. Chantier, chantier. 3 godets, 4 tonnes, 4 tonnes, 4 godets, 4 godets. Bon, on y va. Papa, maman. On va boire un coup. Oui, papa, maman. Allez, on va boire un coup, les copains. Et on vous emmène. Oui. Ah oui, les vélos, par contre. Hein. Parce que camion, 6, 4, 9. Voilà les copains, on vous montre le cadre où on est, magnifique. Je viens sur vous juste après, ne bouge pas. On s'est arrêté boire un coup, donc le chantier est pas très loin. Le chantier naval est juste là-bas derrière. Regarde le cadre comme il est beau. Regarde le petit square là, c'est sympa. Regarde comme ils sont beaux là. Oh là 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 là. Vous êtes bien là avec... Ah ouais, vous avez des cacahuètes. Voilà. Bonjour Claude. Bonjour. Madame Claude. Tenancière. Tenancière. Ouais. Hein? J'ai pas le même salaire, non. Ah, mais... Ouais, tu dis ça parce qu'il y a des gens des impôts qui nous regardent. Ouais. Ouais. On le connaît ton petit cinéma. Ouais. Hein? Eh, quand tu sors avec Claude, c'est tout en cash. Billet de 500 balles. Chut. Prenez, ceci est mon corps. C'est vrai ou pas? Ah oui, oui. Moi je confirme. Bon, on boit un petit coup, voilà. Qu'est-ce que tu bois, Loïc? Moi je bois deux trucs. Ah ouais? Je bois un chocolat liégeois. Ouais, et un café liégeois. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et toi, Claude? Un Fanta orange. Ah, tu peux dire qu'il y a de la vodka dedans. Une vodka Fanta. Une vodka Fanta. Une vodka Fanta. Non, c'est pas vrai, Claude boit pas. Non, on boit pas. Bon, fin de chantier pour Loïc qui nous quitte aujourd'hui avec Claude. Bah là oui. Bon, débrief. Ouais. Petit débrief, Loïc. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je sais pas, dis ce que tu penses. Je sais pas, que penses-tu de la mafia nomade? Non, pas de ça. Ouais, carrément pas. Non, je parle du chantier. Le bah chantier. Oui. Bilan du chantier. Bilan du chantier, positif. Ouais. Quelques petits couacs. Ouais, c'est vrai, ouais, bah, y en a toujours. Hein. Des petits couacs au niveau des bandes. Ouais. Mais ça, c'est de ma faute. Non, ah. Ah, si, si, non, je peux dire que c'est ma faute. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est Julien, c'est moi. Mais ça ne se verra pas. Non. Dans les petits couacs, ça ne se verra pas. Après, le bilan, non, j'étais très content de faire ce chantier. Ouais. Bonne compagnie. Bonne compagnie, on a bien rigolé. On a bien ri. Et on a tout fait dans les temps. Alors, on a respecté le délai. On a respecté les délais et à Benalmadena. Ouais. Bien. Et à Fuengirola. Ouais. Ouais. On a respecté deux délais. Voilà. Donc ça veut dire que dans le délai des 10 jours a été fait en 9 jours. Ouais. Le délai des 10 jours a été fait en 9 jours. Et à Benalmadena, bon bah là c'était autre chose encore. Mais c'était pas facile, c'était de remettre la planche de bain. Ouais. La plage de bain. Ah, la plage de bain, ça a été un des trucs les plus galères. Ouais, les plus galères, en plus dans un, comment vous appelez ça, une annexe. Ouais. Où ça a houlé un peu. Non, ça n'a pas été facile. C'était pas facile de la mettre, mais bon, après, c'était sympa. Hein. On a bien rigolé en tout cas. On a bien ri. Réglage moteur, impeccable. Ça s'est fait bien. Ouais. Voilà, et pour moi, à recommencer quand tu veux. Allez, Claude, un petit débrief.
Bah, moi, j'ai passé une bonne semaine. Une semaine? Ça fait 2 mois, Claude. Et il serait temps que tu te réveilles, peut-être. Disons. T'as hiberné le reste du temps. Ouais, hiberné, ouais. Bah, hein? Non, mais je parle de la dernière semaine. Ah, la dernière semaine. Alors, ouais, bon, ça sur va. Sur le chantier, quoi. Ah, sur le chantier. Bon, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien bu. Ouais. Et on a la peau du ventre. Bien tendu. Merci. Hop, hop, hop. Mengele. SES. Franchement, on a passé vraiment un bon moment. Alors, je remercie, j'arrête pas de remercier. Je les remercie, Claude et Loïc, d'avoir eu leur présence avec nous. Parce que déjà, ça a été une présence à la base qui n'était pas prévue pour venir me donner la main, pour être honnête. Pour expliquer la petite histoire avec Claude et Loïc. Je l'explique. Claude et Loïc, ça fait. Deux ans et demi qu'on se court après. Hein, c'est le cas de le dire. Ça fait 2 ans et demi qu'on se court après. Parce qu'on devait se voir, ça faisait un bon moment qu'on devait se trouver sur les routes. Et on n'y arrivait pas. Même avant. Même, oui, peut-être quand même avant. Quand tu étais en train de faire le bus. Oui, ouais, donc ça remonte un peu, ouais. Ouais. Quand vous étiez en train de faire le bus, tu avais proposé. Tu m'avais proposé de venir me donner la main, c'est vrai, voilà. Déjà à l'époque. Ouais. Et du coup, on n'arrivait pas à se trouver. On s'est raté au Maroc de peu. Ah oui. L'année dernière. Et cette année, on était pas à la bourre, mais bon, vu qu'on descendait piano, il a patienté 1 mois presque. C'est ça, hein? 1 mois. 1 mois. Mais oui. Ils ont patienté 1 mois, ouais, pour notre arrivée ici en Andalousie. Voilà. Alors, c'est qu'ils avaient envie de nous voir. Oui, on avait envie de faire connaissance de Julien. Salma, je la connaissais depuis longtemps, vu que c'est une cousine. Ouais. C'est de la famille. Mais il y avait longtemps, je ne l'avais pas vu non plus. À votre. Mais il pique pas. Ouais. Et j'ai vu mes petites nièces là. Le tonnerre, le feu et l'eau là. Et la glace. Surtout le tonnerre. Et du coup, ils sont restés avec nous tout le temps du chantier. Et s'ils auraient pu rester et encore un peu plus. Comment ça a commencé le chantier? Tiens. Comment ça a commencé le chantier? Hein? Ah ah! Qu'est-ce que tu m'as demandé en premier? Je sais plus. Écarté. Bah rien. Bah oui, les écartés. Ça a commencé, je vais te donner un coup de main. Ouais. Et pourquoi? Sur quoi? Je me rappelle même plus, tu vois. Sur les fenêtres. Sur les fenêtres. Ah, les fenêtres et l'étanchéité des fenêtres, ouais, voilà. Exact. Je veux faire l'étanchéité des fenêtres et du coup Loïc m'a dit attends, je vais te donner un coup de main. Solaire. Et le panneau solaire qu'il m'a donné. Il m'a donné la main à faire. Et après voilà. Ça s'est enchaîné. Et Loïc c'est une bête en fait, c'est une machine. Quand il commence à bosser, machin, il s'arrête pas, il s'embête en fait. Il s'embête très vite. Non? Si, tu t'ennuies. Non. Tu t'ennuies. T'es un hyperactif, non, c'est vrai ou pas? C'est un hyperactif, voilà. Mais il s'ennuie pas. Il trouve toujours quelque chose à faire. De peur de s'ennuyer. Il faut qu'il soit toujours en action. Et voilà, donc il n'a pas arrêté. On a refait le sol. Ah, le sol, ah ouais, le sol du bateau, ça a été un gros chantier. Si Julien avait, il me disait, oh là 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 là, t'es sûr? Ah, ouais. J'ai dit, écoute, j'en ai fait, je te jure, ça va tenir. Laisse-moi, tu verras. Couche sur couche, couche sur couche. Il me dit, ah ouais, mais ça bouge encore un peu. Il arrêtait pas, tu me disais, t'inquiète pas, Salma, n'aie pas peur. Voilà. Ça va le faire. Il est tout le temps en train de te rassurer. Pourquoi? Parce que si tu rassures pas la personne, dans le cerveau de la personne, elle va se dire, oh là là, il me dit rien, alors c'est pire. Il est parti. T'es sûr, ça va tenir, Julien, t'es sûr, hein? Oh là là, ça durcit, mais c'est encore mou. Attends demain. Et le lendemain, on a remis 3 couches de feuilles. Ouais. J'ai dit, il faut 6 couches de feuilles. On a mis les 6 couches de feuilles. Ah, tiens, les petites femelles qui arrivent. Tu sais qu'on a, des policiers qui nous regardent, des gendarmes, on les embrasse. Ouais, on les embrasse. Hein? Ouais. Là-bas. Donc, on a fait les 6 couches. De résine avec les feuilles de fibres et 2 jours après tu m'as dit t'es sûr que ça va tenir? Oui Julien, ça va tenir, il peut y avoir 200 300 500 kilos et ça ne bouge plus. Et ça bouge plus, c'est vrai. Voilà, la force de la fibre, la force de la fibre et la résine. Alors si tu veux, c'est la force de la chaleur de la résine qui va se dilater et qui va permettre à la fibre tressée de pouvoir s'écarter et tenir. Ouais, ça c'est ouf. Donc déjà, ça c'était le premier truc qu'on a fait ensemble. Après, il m'a dit, il faut que j'aille à je sais plus où, là. Il m'a dit, il faudrait sortir le bateau et tout, parce qu'il faut que je regarde pour le poncer ou je sais pas quoi. J'écoute, si tu veux, je te donne un coup de main. J'ai l'habitude de le faire, je te donne un coup de main. Julien, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. J'ai dit, tu sors ton bateau, je serai là, je ne te laisserai pas tomber, je le perds.
Et il faut savoir qu'il n'a qu'une seule parole. Et Claude. Et Claude était... Et Claude venait amener un sandwich tous les matins à Julien. Franchement, elle a pris soin de moi comme une biche blessée. Oui. Oh. Une petite biche blessée. Oh, qui avait mal à sa patte. Hop, hop, hop. Bon, donc je finis. Fini Loïc, j'ai mis comme ça la caméra parce que j'ai mal au... Attends, mais bon, on voit pas. Ah, comme ça on voit tout le monde. Donc, hop, hop. Julien a fait sortir le bateau le 17 juin. Juin, 17 juin. Ouais. 17 juin. Et il m'a dit, j'ai 10 jours pour le faire. Donc, quand Julien m'a dit, j'ai 10 jours pour le faire, pas une journée de plus, j'ai dit, ok, je vais te battre le record, je vais le faire en 9 jours. Et il l'a fait, mesdames et messieurs. Pour Loïc, bip bip, bip bip, hurra, bip bip, hurra. Donc en 9 jours, chantier bâclé, peint, résiné, tout ce que vous voulez, l'anti-fouling, tout a été fait. Ouais, ça a été un sacré chantier, franchement ça a été un sacré. Le plus gros chantier, c'était le ponçage. Ouais. Donc tout fait à la meule parce que j'avais pas de sableuse, mais j'ai dit je vais le faire. Et quand je suis parti à le faire, je m'arrête plus. Ah oui, non, là pour le coup, c'est une machine. Hein. Parce que je te jure, le ponçage à la... 10 heures, wow. 10 heures d'affilée à lire une meuleuse. 10 heures par jour pendant 3 jours. Ouais. C'est ouf. Bah oui, mais bon, il fallait le faire. Le résultat est là. Une, vous allez gagner de la vitesse. Ouais. Vous allez gagner du poids. Parce que c'est important, hein, le nombre de résine, de couches. Ouais. Il y avait quand même 5 couches de peinture, donc d'anti-fouling dessus. Il y avait de la verte. Il y a de la bleue, il y a de la blanche, il y avait de la noire, et puis l'autre, je sais pas, bref. Il y avait les rodables, bon les rodables elles pèsent pas, mais c'est vrai qu'il y avait les rodables. Il y avait quand même 5 couches. Et... Moi je voulais une cabine. J'ai passé 1, 2, 3, 4 heures à peu près avec le lendemain à faire 1 mètre carré. Ah ouais, le dernier morceau, le dernier morceau il était violent. Et j'ai mangé 11 disques. Exactement pour ôter le 1 mètre carré. Le dernier morceau, il était allez, bien. Infernal. J'ai dit, je vais jamais y arriver à l'ôter ce morceau. Allez. Et c'est là où il y avait 1,5 cm, énorme. Ah ouais. Ah ouais. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils avaient mis un truc de fou. Hein. Mais j'ai réussi, j'ai tenu mon pari. Donc Julien et Salma et les enfants pourront reprendre la mer le plus vite prévu. Bip 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 pour Loïc. Hourra. Pour Loïc, il bip bip. Ouah! Et bip bip! Ouah! Et bip bip! Et on a rigolé parce que on a fait que rigoler, que travailler en rigolant. En riant. En riant. Oui, en riant. En riant et en chantant. Et en chantant. C'est la plus belle des mers. Quand je joue de la flûte traversière. Il y a le Daily Vlog numéro 11 qui vient de sortir, c'est ça? Le 10, le 11, le Daily Vlog 11 qui vient de sortir, donc la fin de chantier. Et on a eu un commentaire, parce qu'on est en train de regarder les commentaires de la vidéo et on est en train de rigoler. Salma, elle a eu un commentaire. C'est quoi le télé comme commentaire, Minos? C'est bonjour la mafia. C'est qui a fait le commentaire? C'est Patrick le Vavasseur. Patrick, ouais. 25,95. Ouais. Je me demandais si sur Amazon je pourrais trouver un Loïc. Mais apparemment, c'est un modèle rare et unique pour mettre dans ma caisse à outils. C'est faisable. Bravo pour tous ces travaux en si peu de temps. Alors écoute Patrick, c'est Patrick? Oui. Écoute Patrick, c'est faisable. Si tu as quoi que ce soit comme souci, fais appel SOS Loïc. SOS Loïc. Tu passes par la mafia nomade, il n'y a pas de souci. 3615. Code ULA. Non, non. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous passez par la mafia nomade, je peux vous dépanner. Et il faut tanner Loïc en fait, parce que pour expliquer, ça je l'ai pas expliqué, je vais l'expliquer. Ouais, vas-y. Je l'ai pas expliqué, mais en plus il est pas au courant de ce que je veux dire. Il dit vas-y, mais il est pas au courant. Ouais. Claude et Loïc ont une chaîne. Ah oui. Qui s'appelle CLB Aventure. Faut dire pourquoi on l'a fermé. Je vais expliquer, ouais, rapidement. Parce que j'ai plus de carte SD. Ouais. Mais je vais l'expliquer quand même. Si je l'explique pas là, je l'expliquerai sur le prochain Daily Vlog. Mais je vais tenter de l'expliquer là. Ils avaient une chaîne qui s'appelait Claude et Loïc. Et Bouddha. Et Bouddha. Et le Bouddha voyageur. Ouais. Ils ont changé leur chaîne, leur nom de chaîne en CLB Aventure. CLB Aventure. Et Claude et Loïc faisaient des vidéos de voyage, comme tout le monde, ils voyageaient, ils faisaient. Et à un moment donné, t'as baissé les bras. J'ai arrêté parce que. T'as arrêté. J'ai arrêté.
Ouais. T'as arrêté. C'est pas j'ai baissé les bras. J'ai arrêté. Pourquoi? Tu le sais. Uh-huh. Alors tu vas l'expliquer. Ouais. Parce que le travail de YouTube, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et c'est très difficile de sortir du contenu en réalité qui va être attractif. Ça demande beaucoup de travail. Et quand on se casse la tête à faire des rushs, à faire énormément de travail sur YouTube et à voir qu'en finalité, il n'y a pas de visibilité et qu'en parallèle, il y a des chaînes où c'est du n'importe quoi et il y a de la visibilité, les gens aiment ça. C'est vite décourageant. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que YouTube, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de gens qui commencent à monter des chaînes YouTube et qui, au bout d'un mois, deux mois, s'arrêtent en disant « Ah bah mais j'ai pas de vue, nah, nah, les gens ils me regardent pas, nah, nah. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est très difficile. Mais ce qui est vite décourageant, c'est que plus on s'investit sur le contenu, s'il n'y a pas derrière de la visibilité, c'est vite compliqué en réalité. Et Claude et Loïc, alors, Claude et Loïc, il y a une facette. Moi, j'ai toujours dit, il faut trouver sur YouTube, il faut trouver sa niche. Et là, tu l'as trouvé. Ouais. Ces jours-là, tu l'as trouvé. Ouais. Ces jours-là. Ces jours-là, tu l'as trouvé. Tu vois, tu as eu une révélation. Ouais. Et ça, moi, je t'encourage à le reprendre. Parce que ça, franchement, ça marche. Oui, bien sûr. Les gens aiment la rigolade. Les gens aiment rigoler. Les gens aiment ton personnage. Donc, hip 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 hurrah pour Claude et Loïc qui vont réouvrir leur chaîne YouTube et qui vont appeler ça Nengelef Aventure. Nengelef Aventure. Donc on va tous mettre dans les commentaires hip 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 hurrah, hip 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 youhou. Claude et Loïc vont réouvrir leur chaîne. Ouais. Et toi, tu vas nous vendre du rêve. Tu vas nous donner moult et moult pitreries pour qu'on puisse rigoler à pleines dents. Sans mauvais jeu de mots. Non, non. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Ping. Aïe. Ça fait mal. Hein. Voilà. Donc ouais, on encourage Loïc dans les commentaires. Vrai. Voilà. Et s'il rouvre sa chaîne, vous allez vous abonner en masse chez Loïc parce que j'aimerais bien qu'il fasse des vidéos justement comme ça de bricolage tuto. mais bien sûr, je peux en faire des. Bricolage tuto, machin, parce que franchement, il est bon dans le domaine, il est bon. Voilà. Donc hip hip hip. Tu nous tiens au courant sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Mais tu seras au courant. Ouais, donc si bah, dès que tu as pris une décision, dès que vous avez pris une décision, ouais. Vous me le dites, comme ça je fais l'annonce publiquement. On va prendre la décision en rentrant. Ah. Ah ah. Il se voilà. Prépare des trucs chez Claude et Loïc. 18h, 19h. Hop. 20h. 20h. Bébé. Allez. Qu'en penses-tu? T'es d'accord? Ah bah oui, moi je suis d'accord. Tu es d'accord, donc tu peux réouvrir ta chaîne. D'accord, bon, je vais ouvrir ma chaîne. Et tu l'appelleras Nengelef. Aventure. Aventure, d'accord. Ouais. Nengelef Aventure. Non, il y a un truc que tu peux faire qui est pas bête, tu peux appeler ta chaîne. Ah là 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 là. Moi je suis fort pour ça. Hein. Oui, moi aussi. Tu peux appeler ta chaîne Le Couteau Suisse. Oh là là. Ou. Non mais attends. Ou. Ouais. Ou. Tu peux l'appeler aussi la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Ça, c'est pas mal. C'est joli. Ouais. Ouais. Tu vois? Et dedans, tu mets des tutos dans ta boîte. Ouais. Des tutos, de la rigolade, des imitations. Ah oui. Hop, 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 c'est du grand n'importe quoi. Eh bien, écoutez bien, ici, j'ai Chirac, vous mangez des pommes. Sur ce. Bye bye. On coupe. Merci. Gros bisous à toute la communauté de la Mafia Nomade. Je vous embrasse. Et merci pour les 1000 cœurs et les 1000 bisous et tout ce que vous voulez. Ça m'a fait un grand et chaud au cœur. Merci beaucoup à tout le monde. Là, tu vas faire, Claude, tu vas clôturer l'émission. Oui. Et tu vas dire merci d'avoir suivi ce daily vlog. Merci d'avoir suivi ce daily vlog. À demain, mon cousin. À demain, mon cousin. Ah. À demain pour la suite du Daily Vlog. Bye bye. Bon, j'ai pas pu filmer à l'arrivée parce que j'étais dans Roche. Du coup, j'ai préparé une pizza pour ce soir. Walou. Alors là, j'ai mis des chorizo de dinde, fromage avec sauce base tomate avec un peu d'origan et d'herbe de Provence. Et voilà, et j'ai mis du fromage râpé et deux autres fromages, je sais pas si vous voyez la différence, ouais, là, le fromage râpé, et voilà. Pendant que mon chéri, qu'est-ce que tu fais mon chéri? Je regarde la vidéo de Jérémy. Je regarde la vidéo de Jérémy, Charles. Je vais faire la même chose. Ça, avec c'est le moment de décompression de la journée, où je peux regarder YouTube sans avoir à travailler.
Bah, du coup, on vous fait des bisous, les amis. Ah, bah ouais, coucou. Coucou à vous. Ouais, c'est pas de chance pour ça dedans, Charlotte. T'as des problèmes dedans, faut pas rigoler quand même. Hein. Bah oui. Bon, allez. Bisous, bisous. Moi, c'est Loïc, la guide de la mafia nomade. Je suis un peu dynamique et moi aussi, j'aime la déconnade. Si j'ai de Salma et Julien, c'est parce que je les aime. Que je ne suis pas un margoulin et que je n'ai pas la flemme. Pour moi, l'amitié avec mes amis, c'est une chose sacrée, presque une toxicomanie. Moi, c'est Loïc, l'ami de la mafia nomade. Je suis un homme dynamique et moi aussi, je me la déconnade. Pour moi et Claude, ma femme, la mafia nomade, c'est comme notre famille. L'amour et l'amitié, c'est notre cam. Pas une simple peccadille. Qu'il soit près de nous ou au loin, ou au loin, toujours on pensera à eux. Tout ce que nous voulons, c'est leur bien, et qu'ils soient vraiment heureux. Moi, c'est Loïc, l'ami de la mafia.